Et voilà, ça c'est Mendy. Il vous fait un truc fabuleux. C'est un super ballon. Et puis il va peut-être provoquer. Ben non, parce qu'il y a Courtois sur cette frappe de Kamada. Alors Mendy, il lève les bras, il écarte les bras en disant ouais mais quoi ? Ben oui mais c'est toi mon gars. Allez hop pour Valverde. À 4-5 jours, on a une touche de balle comme ça. Et Valverde va prendre la profondeur. Ouh, oh, ça passe bien ça. Oh, c'est magnifique. Et c'est... Oh, c'est sauvé. Pas terminé. Si. Oh, quel mouvement du Real Madrid. Thomas, il faut pratiquement la reprendre à sa genèse. On a eu 7 passes de 7 joueurs différents. Absolument incroyable. C'est génial. Il est un peu trop vite là, par contre, Militao. Il peut frapper ou pas? Oui. Et encore une fois, Courtois. C'est Knauf. Oui. Et là, ça passe pas très loin. C'était touché, c'est un coup de coin. Oui, en effet, parce que s'il trappe la touche pas, c'est but, Marc. Dès que la connexion s'établit, le danger est immédiat. Et là, c'est un bon ballon aussi. C'est goal, ça. C'est but, là, là-bas, sur cette phase arrêtée. On s'est regardé du côté de Francfort. On a perdu tous les duels contre le Real. Ben, ça se paye cash. On se demandait si le Real allait prendre les devants en fin de mi-temps. Vous avez la réponse. Oui, ils ont attendu un petit cadeau hein, sur ce moment d'inattention dans la défense où on a été trop passif. Ça passe vite là, ça s'accélère, le petit centre, il n'est pas terrible, mais par contre là, oh, trappe, il est excellent. Pas simple cette balle, déviée, compliquée. Bonne passe, ça aussi magnifique, Casemiro il frappe. Quelle était jolie celle-là. Est-ce que ça a été touché ça? Non, je pense pas. Marc. Pas. Je pense pas. Ah, du côté du bon madrilène, on en est persuadé. Revoyons d'où ça part. Ouais, et là, ça devient de plus en plus dur pour Francfort, hein, qui prend l'eau tout doucement. Non, il a pas été touché. Là, il se penche bien hein, pour que ce ballon ne parte pas dans les airs. Il n'y a pas un tir à distance une fois de temps en temps. Ici par exemple. Là, il doit frapper là. C'est léger. C'est très très léger ça comme frappe. Hein. Il peut prendre son pied gauche aussi. Exactement. Pourtant il y avait vraiment une fenêtre de tir hein, à partir de là. Là. Ouais. Vinicius. Ah, il va y aller. Il va aller en contact. Avec Benzema. Oh, pop, 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 pop. Le voilà. The connection. La connexion qui a encore fonctionné. Vinicius. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il est passé ce ballon? Il n'a pas l'air trop compliqué pour Trapp pourtant. Oui, c'est vrai, mais il est masqué de nouveau par pas mal de défenseurs. Et ce qui est génial avec Benzema, c'est que vous lui laissez un mètre carré. Il contrôle même pas. Et il met la puissance qu'il faut. Il n'est pas hors jeu. Non. Limite. Non, parce que Tuta couvre. Et là, on a un contre un. Il est très très fort. Il décide de ne pas aller dans le dribble, mais de cette fois-ci utiliser l'option de la passe. Et quand on parlait de connexion entre ces deux-là, Marc. Un bon plat du pied. Et en fait, oui. C'est parce que ce ballon n'a quand même pas l'air imparable. C'est pas la plus difficile qu'il ait eu à faire dans les trois parades. C'est terminé. Succès et deux buts d'écart. Logique. Un Real qui n'a pas non plus voulu accélérer et qui était dans une gestion.